début des répétitions dans 15 minutes. Ceux qui doivent chanter, allez dans la salle piano, s'il vous plaît. Gilles et Audrey, s'il vous plaît, vous répétez les chorégraphies dans la grande salle. Jean-Gaël, tu devrais déjà être prêt, les ados t'attendent. Ah, et les vieux, apprenez votre texte, s'il vous plaît. C'est génial, ça n'a pas changé. On se retrouve 25 ans en arrière. Comme d'hab. C'est toujours le même bordel. Comme d'hab. Si vous concentrez pas, on n'arrivera jamais. Oh, et vos accessoires, vos accessoires. Où sont vos accessoires? Et si vous ne prenez pas vos textes, je vous coupe la tête. Rosine. Ton chewing-gum. Vous allez me trouver nostalgique, hein. Mais ça me fait plaisir d'être de nouveau sur les planches de l'Octogone avec vous. Oh. Bah, tous une bande de nostalgiques. Oh. De vieux nostalgiques. Ah, surtout lui. Oui, ça va. D'autant que c'est une vraie antiquité, hein. Hey, vous vous rappelez des loups Gigi? Ben oui, Marcel. Allez, hey, on s'en va. Allez, allez, j'ai déjà fait deux fois. Oui, bah, tu ah, on est mis partout de la poudre. Musique. Va voir. Il n'y a pas que ce coin-ci au monde. Il y a là-bas une ville magique, Barnabé. Fantastique, Barnabé. Là-bas, les lumières nous inondent. On danse et on se dépense, Barnabé. Barnabé. Mets ton plus beau costume car tout est beau là-bas. Faudra que tu te parfumes de haut en bas. Tu verras tant de choses que tu en seras papa. Des belles filles, des femmes qui se maquillent là-bas. Ça fourmille à chaque pas. Mais ta plus belle jaquette achète un gros cigare. Nous allons faire la fête sans crier gare. La partie dans les bois de nuit est sûrement qu'on n'en reviendra. Avec une jolie fille à chaque bras. Allô, oui, la pâtisserie Fleury? Oui, bonjour.
C'est vous pour la bûche? Oui, oui, bonjour. Écoutez, j'ai votre commande. Je suis actuellement dans vos locaux. Malheureusement, personne n'est apte à me répondre. Merci. Bonjour. Ah, voilà la bûche. Voilà la bûche. C'était moins une. Ça a été très compliqué, mais tout y est. Merci. Et vous savez, j'adore le théâtre. Ça vous ennuie si je reste un petit moment pour regarder? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Magali? Oui? J'ai la bûche. Ok, merci, prenez la police. Ça marche, suivez le guide. Les petits reines, les petits lutins, vous êtes prêts? Oui! Ok. Bien en ordre. Alors. Musique. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixin' and blixin' and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Pour vous parler de Noël et de tous ses secrets. Qui sommes-nous? Les lutins du Père Noël. Je suis Serpollet. Et moi, Paprika. Ciboulette. Cannelle. Girofle. Vanille. Sarriette. Estragon. Bergamote. Nous venons de Laponie. C'est un très long chemin. Avec tous nos amis. Et il vient du Pays Blanc. Avec son manteau rouge, il a au moins 100 ans! Et un traîneau qui bouge. Le connais-tu? Sais-tu son nom? Père Noël! Oh, oh, oh! Bonjour, bonjour! Et voici! Regardez! Les reines du Père Noël! Il y en a 8 qui l'accompagnent chaque nuit de Noël. Dans le monde entier. Regardez. Musique.
chacun sa tâche. Ils emballent tous les cadeaux. Oh, regardez tous ces jolis papiers. Et voici la liste des cadeaux. Il y a des millions de personnes inscrites sur cette liste. Vous, 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 vous. Et vous. C'est écrit en caractères minuscules. Nous sommes les seuls, nous, les lutins, à pouvoir les lire. Et une poupée pour Julie. Un ballon de foot pour Hugo. Une voiture rouge pour Louis. Des crayons de toutes les couleurs pour Camille. Un livre de pirates pour Adrien. Des baskets roses pour Clara. Et des chemises grises pour Philippe. Un ours trop mignon pour Pierre. Une guitare pour Laurence. Allez, allez, petit lutin, dépêchez-vous. Petit lutin, dépêchez-vous. Père Noël a besoin de vous. Petit lutin, merci beaucoup. Pour l'an prochain, reposez-vous bien. Oui, Père Noël. Et 1, 2, 3. Dans sa haute en bois. 4, 5, 6. Il y a des surprises. 7, 8, 9. De jouets tout neufs, 10, 11, 12, de la joie pour tous! Sentez-vous cette bonne odeur? C'est la bûche! La bûche de Noël! Il y a très longtemps, la bûche de Noël était une vraie grosse bûche qu'on brûlait dans la cheminée. On prenait la bûche d'un arbre fruitier et on mettait du sel dessus pour faire fuir les sorcières. Puis la bûche est devenue un délicieux dessert. Est-ce que la crème au beurre éloigne aussi les sorcières? Sur le gâteau, je vois des lutins bûcherons, des haches et des scies. Des champignons et des boules de guille. Alors, ce que je crois, c'est que ce gâteau-là, c'est un morceau de bois. Vous vous trompez, tra-la-la-la-la, c'est une bûche en chocolat. C'est un petit sapin, pique, pique, pique. C'est un petit sapin, pique, pique, pique. C'est un petit sapin, pique, pique, bien. Oh, ce petit sapin, il est très mignon. Mais il lui manque quelque chose. Voyons, bien sûr, il n'a pas de décoration. Au Moyen-Âge, on décorait le sapin avec de belles pommes rouges comme un arbre de paradis. Un hiver, en 1858, en France, il faisait tellement froid qu'il n'y avait pas de pommes sur les arbres. Un artisan verrier a eu l'idée de fabriquer des pommes. Et d'autres fruits en soufflant dans du verre. La boule de Noël était née. Moi, j'ai une histoire sur les petits sapins. Moi aussi. Moi aussi. Trois petits sapins se donnaient la main car c'était Noël de la terre au ciel. Ils prirent le chemin menant au village jusqu'à l'étalage d'un grand magasin. Là, ils se couvrirent tous ces écrits, boules et bougies, guirlandes pour lui. Et ils s'en retournèrent main dans la main par le beau chemin de l'étoile fer jusqu'à la forêt où Minnie chalait. Car c'était Noël de la terre au ciel. Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Noël. Au prochain Noël, j'aurai 7 ans. Wow, c'est plutôt chouette d'avoir 7 ans. Non, parce que 7 ans, j'ai peur mes dents. Il y a une petite souris et moi, j'aime pas les petites souris. Ces petites souris-là sont magiques. Elles déposent un sou sous ton oreiller et elles veillent sur toi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je veux en enfer. Ok, mes chéris, bravo. On a bien travaillé. Si on continue comme ça, on sera prêts pour le spectacle. Moi je dirais qu'on fait une petite pause. On prend tous nos accessoires et on se retrouve dans l'autre salle. D'accord? Une sacrée collection de balais. Ah, ça,
On en a besoin pour la scène à l'orphelinat. Ah, Alex ? Oui ? T'as pas vu les balais, je les cherche. Ils sont juste là. Ah, je te présente Céline, mon assistante du jour. Bonjour Céline. Bonjour. Merci. Est-ce que tu peux les mettre là-bas, s'il te plaît ? Pas de soucis. Merci. C'est tout bon, là ? Les crédits ! Les crédits, vous êtes prêts ? Oui ! Ça va être à vous. Ok, alors, musique ! Manifester, c'est ça! Oh, mais tout le monde s'en fout de l'orphelinat! On ferait mieux de vider les poubelles des
Tu vois l'étoile là? C'est ta maman qui est là. C'est vrai? Maman! Et tu vois cette autre étoile là-bas? C'est mon papa. Papa, je t'aime, tu me manques, je sais que tu m'entends. Et toi aussi tu m'entends, maman? Je monterai sur une scène et j'aurai des claquettes, des saxos, des trompettes, choc aux claques sur la tête, une canne et des paillettes en chantant à tue-tête. Tu seras une grande star, une étoile montra. Ces grandes rues éclairées, nous marchons tous les deux émerveillés. Le théâtre éclatant de lumière, c'est le trac, on va nous préparer. Et déjà je voyais le grand rideau Notre affaire, c'est nous les pâtres.
croissant, c'est bien plus marrant. Des pieds, tu vas voir. Ya, 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 ya. Arrêtez.
bagarre? Yeah! Elle est plus là. La plus merveilleuse au monde, qui nous dit bonsoir en nous embrassant, qui nous apprend l'amour. Thank you.
La plume, toujours la même tête de linotte, à ce que je vois. C'est vous, monsieur Peter Pan? T'es nouvelle, toi? Oui, je m'appelle Moustique. Moustique? Ha! Bzzz. On est heureux que tu sois de retour, Peter. Eh oui, c'est simple. J'ai zappé le monde réel. Pays imaginaire, me revoilà. Ouais. Mon ancienne vie commençait à me taper sur le moral. Et puis, on se marre bien plus ici, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que tu vas rester avec nous pour toujours? Oui. J'ai décidé de m'éclater sur toute la ligne. Ouais. Mais d'abord, je serais curieux de savoir si vous avez bien retenu mes leçons. Oui. On les répète tous les jours. Enfin, presque. Oui, presque tous les jours. On avait même pris la filandine moustique. À la filandine, indienne, indienne. À la filandine. Ah, very good, very good. Excellent. On va reprendre tout ça, mais en anglais cette fois. In English. Oh, mais non, c'est dur l'anglais. D'accord. Very good. Are you ready for today's lesson? Yes, Peter. Fantastic. Let's go. Music, please. Bon, de toute façon, Audrey vous attend pour répéter la danse.
mettons en place les cubes et puis on va faire nous un échauffement avant la répétition. Bien encore. Bon pour cela. Mets-toi en place, mettez-vous tous en place. On trouve sa position. Tu peux y aller avec la musique. Tout ça, voilà ce qui arrive quand on fait pas attention. Et après, adieu le spectacle. Ouais, bon, allez, c'est bon, c'est tout bon. Allez, rends-moi mes chatons. Allez, on part tous. Allez. Hop. Prêt pour la musique? Quand tu veux. Parce qu'elle a foncé le son, elle. Oui, bon, d'accord, on était nuls et on petit génie.
écoutez. Attention les moustaches. Chacun ici a sa chance. Mais ceux qui rouspètent sont aussi ceux qui se prélassent au soleil. Mais au lieu de travailler, corrige ta formule. Oui, tu ne la sais pas, joue pas la malice. Si, dis-la puisque tu la sais. Ce que je sais, je garde pour moi. Non, il faut dire abracadabra et abracadacha. C'est bien, chat. Miaou, bien. Préparez le chaudron. Je vais chercher le grand livre. Oh.
épreuve. Et voilà le résultat. La curiosité est emportée sur la sagesse. Afin que vous vous rappeliez de cette leçon, vous serez interdit de cours de magie jusqu'à ce que vous ayez appris par cœur toutes les formules des Chamanticum. Alors là, vous ne recommencerez plus. Allez, partez maintenant. Quoi est-ce que c'était, Marine ? On s'en souviendra. Ok, super, bravo. Excellent. Pensez bien à apprendre les paroles de la chanson, hein. J'ai vu qu'il y en avait qui ne le savaient pas encore. Ok, ceux qui doivent débarrasser les cubes, on se retrouve en coulisses pour préparer le final. Alex !